dur de faire la différence entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Quand je donne trop d'importance à suivre les modes et flatter mon ego. Les apparences sont trompeuses. Je sais qu'aucun filtre au monde ne te fera m'aimer plus. Car tu vois mon cœur pour ce qu'il est. Je suis un chef-d'œuvre de grâce, façonné à ton image. Jésus, tu es à ta place, là dans mon cœur. Je suis peut-être parfaitement imparfait, mais je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je sais que ma valeur se trouve en qui tu es. Je suis approuvé, plus rien à prouver. Je marche la tête haute, marqué par ta grâce et ta liberté. Je veux vivre pour toi seul, c'est pourquoi j'ai choisi de n'écouter que ta voix. Je sais qui je suis, en qui tu es. Je suis un chef-d'œuvre de grâce, façonné à ton image. Jésus, tu es à ta place, là dans mon cœur. Je suis peut-être parfaitement imparfait, mais je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu, je sais que ma valeur se trouve en qui tu es. Tes bras pris te rompent mon âme.
pousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Yeah.
J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler, combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Thank you.
Nous t'adorons, Jésus. Ainsi ton peuple s'est rassemblé devant toi. Alléluia. Pour t'adorer, toi, Elohim, le Dieu créateur. Thank you.
Oh no.
Well, welcome again. Bienvenue à nouveau. And hey, the month of March. Et dans ce mois de mars. Some great things coming up. Il y a des belles choses. Great things we're involved in as a church. Et des belles choses dans lesquelles on est impliqué en tant qu'église. And whether you're watching online, you know, being part of those things that we're actually wanting to do into people's lives and be helping people in need over this Easter period. Et même pour vous qui regardez en ligne, on a envie de vous permettre de participer, de faire des belles choses dans la vie de plusieurs personnes dans cette saison de Pâques. So you'll be able to go online and contribute to Operation Easter, which is actually about wanting to be blessing generous into people in need. Donc vous pouvez vous connecter en ligne à Opération Pâques et il s'agit uniquement d'être une bénédiction pour des personnes dans le besoin. You know, we want to help people and over the years, I'm so thankful to church how they've been so generous in this time and we've been able to help literally hundreds of families. Et on veut juste aider les gens et au fil des ans, je suis tellement reconnaissant pour l'église et comment elle a été généreuse, on a pu aider des centaines de familles. So I want to encourage you to play a role in that. Every bit matters to make a difference. Et j'aimerais vous encourager à jouer et à prendre une part là-dedans parce que chaque chose compte. And the other thing is Good Friday. Et l'autre annonce c'est que 7th of April pour le vendredi saint le 7 avril. Is we've got a service online at 8 o'clock at night. On a un service en ligne à 8h, 20h. And I encourage you to connect to that and it'll encourage you. Et j'aimerais vous encourager à vous connecter à ça. And we're believing for an incredible Easter weekend. Et on va croire qu'on va passer un week-end de Pâques extraordinaire. Well, I just want to encourage you around your giving now. Et donc maintenant, j'aimerais vous encourager par rapport aux offrandes. And your offering, les dîmes et les offrandes. From Genesis 4. À partir de Genèse, chapitre 4. Verse 2. Verset 2. It says, now later she gave birth to his brother Abel. This is Eve giving birth to Abel. Et ça dit que Ève mit au monde le frère de Caïn, Abel. Now Abel kept flocks. Abel fut berger. And Cain worked the soil. Et Caïn fut cultivateur. I don't know what you do. Je sais pas ce que vous faites. But whatever we do, and it says this in verse 3, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought an offering to the Lord of the first born of his flock. Mais ça dit, au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. And the Lord looked with favor on Abel's offering. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. I love the intention of Abel. J'aime l'intention d'Abel. Intentional living. Il vit d'une manière intentionnelle. And I think as God really honors that, putting him first. Et je vois que Dieu honore ça, le fait qu'il le mette en premier. I know what it means to, you know, even in my marriage with Cammy, you know, there's, you know, I can just give her something or leftovers, but, you know, and she'll receive that. But, you know, there's something really incredible when she knows that I've put intention and I've valued her, prioritized her. And it's just, you know, her face lights up and she's amazed. Je sais ce que ça fait, même dans mon mariage avec Camille, je peux lui donner juste des restes ou quelque chose, mais pas intentionnel, et elle va accepter ça. Mais il y a une différence quand je lui donne le meilleur, le premier, et que je suis intentionnel vraiment pour elle. I love that. J'aime ça. And you know, I think it's the same here in regards to our lives and as we honor God, there's so many other things that can have priority and have their way, but there's something special as you come around your offering, as you honor him and put him first. Et je crois que c'est la même chose ici, alors qu'on parle de nos vies et d'honorer Dieu, il y a beaucoup de besoins qui peuvent arriver, mais il y a une différence qui se fait quand on le met en premier, qu'on l'honore et qu'on le met. I want to live with the favor of the Lord. Et moi, je veux vivre avec God's la faveur. Rest. Je veux vivre avec and la faveur de Dieu. Everything, especially this area, our finances. Que la faveur de Dieu soit active dans tous les domaines et particulièrement dans ce domaine des finances. First. Et j'aimerais vous encourager alors que vous le mettez en premier. You know, just let God move into all of those areas of your life. Laissez Dieu agir dans tous les domaines de votre so vie. So today, donc aujourd'hui, can I want to pray with you? Let's honor the Lord. J'aimerais prier avec vous. Honorons let's le Seigneur. Worship God. Adorons-le. And let's put him first. Et mettons-le let's en premier. Be intentional today. Soyons intentionnels aujourd'hui. So Father, bless your people. Père, bénis ton peuple. God, as we put you first in our tithes and our offerings. Alors qu'on t'honore, on te met en premier dans nos dîmes et offrandes. Lord God, that your favor, your ways, your promises. Que ta faveur, tes voies, tes would promesses. Would move in and through, even this area of our finances, Father. Agisse même dans le domaine des finances. Father, in the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne.
Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Parler à chacune des personnes ici. Je sais, Seigneur, que tu as un plan et tu as un mot, Seigneur, et que tu veux partager à chacun ici. Et on te prie, Seigneur, que tu parles, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, ici maintenant, Seigneur, aujourd'hui. Amen. Amen. Merci, je vous en prie. On a commencé une série il y a quelques semaines maintenant sur la vie de Moïse. J'espère que c'est une série qui vous plaît. On parle vraiment du peuple de Dieu en fait, qui est dans l'Égypte et qui sort de l'Égypte, vous êtes esclaves, et il se dirige vers la terre promise. Et on a vu en fait qu'il a donné la mission à Moïse de faire sortir le peuple. Vous êtes esclaves. Et Dieu a préparé un plan pour sauver son peuple et l'emmener vers la terre promise, où il serait libre et pourrait adorer Dieu en toute liberté. Et on a vu la semaine dernière que c'était difficile en fait pour Moïse de rentrer dans la mission et de l'accepter et de rentrer. On a vu qu'il avait plein d'excuses et des réponses pour ne pas rentrer dedans. Il avait cette réponse de non, je ne peux pas maintenant, plus tard, ou envoyer une autre personne. Et ça, c'est le genre de réponse que nous aussi on pourrait avoir. Et en fait, il est vrai que c'était pas seulement la mission de Moïse, en fait. C'était la mission de chacune des personnes du peuple. Chacune des personnes avait cette mission de sortir de l'Égypte et de partir dans le désert et aller en terre promise. C'était pas seulement la mission de Moïse. Et la mission était de marcher jusqu'à la terre promise pour être enfin libre. En fait, il faisait partie du voyage, mais il faisait partie aussi de la mission que Dieu il avait donnée à Moïse. Et ils étaient en voyage, mais tous n'ont pas accepté la mission. Ils étaient tous ensemble, ils partaient, ils étaient dans le désert ensemble, mais tous ils n'avaient pas accepté la mission. Et beaucoup, en fait, ils ont refusé et qu'ils ont regretté en fait, ce qu'ils avaient en Égypte. Ils ont regretté le temps passé, leur vie ancienne, même ils étaient esclaves, mais ils regrettaient la nourriture de l'Égypte. Ils avaient un toit aussi en Égypte, là ils étaient au milieu du désert, ils avaient rien, ils étaient. Ils avaient soif, etc. Mais ça pouvait être dur. Et parfois, en fait, il est facile de regarder en arrière, de regarder sa vie antérieure et de dire « Ah non, mais je regrette ça, c'était mieux avant. » Et puis moi, ça m'est arrivé, en fait, lorsque j'ai rencontré Fleur, ma femme. J'étais alors à Genève, et puis Fleur, elle habitait à Tampico, au Mexique. Est-ce qu'il y a une personne qui connaît cette ville de Tampico, au Mexique? Ouais, non? Ah ouais, excellent. Et puis donc, en avril 2015, moi j'avais une mission, et ma mission c'était de partir à Tampico et d'aller rencontrer la famille de Flore, de rencontrer ses amis. Et puis, je partais de Genève, mais j'avais trouvé un vol, un trajet pas très cher, où je faisais en fait Genève, Paris en train, après. Et regarde pour aller à Charles de Gaulle, puis ensuite un vol vers New York, et ensuite New York, Houston, et Houston à Tampico. C'est pas cher. Donc, je suis parti de Genève, j'ai pris le train, le vol et regarde, je suis arrivé à l'aéroport, et puis alors que j'étais à la porte en fait pour rentrer dans l'avion, ils me disent on a un petit souci avec le masque du pilote, du coup, il y aura un mécanicien qui va venir pour le réparer. Donc, ils nous annoncent une demi-heure de retard. Après, ils nous disent,
fait, ça sera plus une heure ou deux heures de retard. Et après une heure ou deux heures, on voit l'avion, en fait, il retire la, et l'avion, en fait, il le retire carrément de la porte. Et là, je dis, voilà, là, je crois que ça va être compliqué. Et le retard, il est passé à 3 heures, puis après à 4 heures. Et enfin, ils ont dit, bon, en fait, on part pas maintenant, on partira demain. Donc, ça faisait 24 heures que j'étais parti de Genève, j'étais toujours, j'étais encore en France. Et ensuite, donc, je suis parti le lendemain, je suis arrivé à New York. Et ensuite, dans le vol entre New York et Houston, là, j'ai commencé à avoir une grosse crainte. Mais j'ai commencé à regarder en arrière et me dire, non, mais en fait, je suis en train de faire une folie. Ma future femme, elle habite à Tampico, c'est une ville qui est à l'autre bout du monde. C'est de la folie. Et je commençais à regarder en arrière. Et parfois, en fait, on peut se retrouver dans une situation où le voyage ne se passe pas comme on l'avait espéré. On est au milieu du voyage, on commence à regarder en arrière et pas tout ce qui ne va plus. Et puis là, c'était la situation que j'avais. Heureusement, j'ai prié Dieu, et puis Dieu, dans le dernier mois, entre Houston et Tampico, il m'a donné la paix, et j'ai pu rencontrer la famille Flore, et finalement, on est mariés. Et finalement, elle est ici. Donc. Et puis toi, en fait, si tu as donné ta vie à Dieu, si tu as pris la décision de le suivre, et tu fais partie de son peuple, et du coup, tu fais partie aussi du voyage. Tu vois, Dieu t'a libéré de l'Égypte, c'est-à-dire il t'a libéré du péché, où on était esclaves, et il t'emmène maintenant en voyage vers l'éternité en tant que compte, où on sera en permanence avec lui. Donc en fait, là, nous ne sommes pas ici. En fait, on peut se dire, on est en voyage, on a tous ici un passeport français ou une autre cité, un autre, mais notre citoyenneté, elle n'est pas ici, on ne vient pas de ce monde ici. Mais on lit ça dans Jean 15, 19, il est écrit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez avec. Mais vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi et guéri du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. En fait, on voit qu'on n'est pas du monde, on est en voyage. On est quelque part entre ce monde et l'éternité où on sera avec Dieu. Et on est en route pour devenir une personne, pour devenir plus comme Christ. Et on est en route aussi pour, dans le chemin, faire des nations et des disciples. Et c'est ça, en fait, quand on est en voyage. Et notre mission, c'est de ressembler à Christ et d'être sur le chemin les personnes avec Christ. Donc, nous sommes tous dans le voyage, mais une question se pose. Et la question, elle se pose aussi pour le peuple d'Israël au milieu du désert. C'est, est-ce qu'on accepte la mission que Dieu nous donne? Ou est-ce que je préfère regarder en arrière et retourner en Égypte? Et lorsqu'on lit la Bible, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de reprises, le peuple d'Israël, il a oublié cette mission et il a été découragé. Il a été découragé, il voulait retourner en arrière, commencer à regretter. Alors que même, et là-bas, ils étaient esclaves, mais ils regrettaient sa vie. Et dans notre voyage, en fait, on peut ressentir cette sensation, on a envie de retourner en arrière, de retourner à notre vie, d'avant, en fait, et parce qu'on a une déception et peut-être à cause d'une situation qui est difficile, insurmontable, une épreuve, on n'a pas de choses et légitimes en fait qui pourraient nous pousser à retourner en arrière. Mais un des découragements que le peuple d'Israël a connu, ça a été la soif. Donc on imagine qu'ils sont dans le désert, il fait super chaud, on peut s'attendre à ce qu'ils aient soif. Et on peut lire ça donc dans Exode 17.3, ils ont commencé à avoir soif, ils ont douté en Dieu, ils ont commencé à douter. Il est écrit en Exode 17.3, le peuple était là, il était pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi il nous a-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux. Mais en fait, il a demandé à Moïse, donc on a ce peuple qui a soif et Dieu il demande à Moïse de prendre son bâton et de frapper sur un rocher, et pour que de l'eau en sorte, et pour qu'il puisse à ce moment-là donner à boire en fait à son peuple.
Et dans ce désert, en fait, même si le voyage est dur, ce peuple, il a dû apprendre, en fait, à s'appuyer sur Dieu, il a lui faire confiance. Et nous, en fait, dans le voyage que on est en train de faire, on n'est pas en vacances, en fait. C'est un voyage et on n'est pas en vacances. Et les vacances, elles seront une fois que l'on sera au bout du voyage. Mais on n'est pas en vacances et parfois, en fait, on va devoir passer par des déserts, on va peut-être parfois passer par des montagnes et franchir, et peut-être qu'on devra aussi chevaucher des poubelles. Il y a tellement de difficultés, en fait, qui peuvent nous rencontrer durant ce voyage. Mais en fait, en réalisant ça, on comprend qu'on va s'appuyer sur Dieu. Et lui faire confiance à 100%. En fait, voilà notre première mission dans le voyage, c'est de faire confiance et de lui ressembler de plus en plus. Donc, on peut lire dans Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La première mission que l'on a, elle est personnelle. Mais cette mission-là, en fait, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Et ça, c'est la mission numéro 1. Et c'est seulement en recherchant sa présence qu'on pourra arriver au terme de cette mission. Et on se rend compte, en fait, dans la vie, que tout au long de son voyage, Moïse, il a cherché la présence de Dieu. Il a cherché à la rencontrer. Yeah. On peut lire, par exemple, dans Exode 34, au verset 29, « Moïse est descendu du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Et là, on voit que Moïse passait du temps avec Dieu, à tel point, en fait, que son visage était transformé, on voyait la gloire de Dieu, en fait, à travers le visage de Moïse. Et parce que Moïse passait du temps avec Dieu, il cherchait sa direction. Et moi, ma mission, en fait, aujourd'hui et maintenant, et notre mission à tous, c'est que notre visage à tous, il reflète cette gloire. Il puisse avoir le reflet, en fait, de l'Éternel. Et être des adorateurs de Dieu, c'est notre mission numéro 1. Et tu vois, on est ici sur la terre pour un certain temps, et on a tous envie d'être heureux, d'être en bonne santé, et moi, c'est mon souhait pour ma femme, pour ma famille. J'ai envie d'être en bonne santé, et c'est une chose que l'on peut demander à Dieu, il faut demander à Dieu, et c'est bon. Mais notre souhait numéro 1, ça ne devrait pas être ça, mais ça devrait être de ressembler à Christ, et de ressembler de plus en plus. On peut lire dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui s'envolent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et ce qui va nous aider dans ce voyage, c'est de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de plus en plus, de le chercher, et d'avoir cette soif, en fait, de le connaître de plus en plus. Et quand on passe beaucoup de temps, et vous savez, avec une personne, on commence à apprendre ses réflexes, on commence à apprendre ses mimiques, on commence à parler comme lui, on prend son accent aussi. Et c'est pareil avec Dieu, en fait, si on passe beaucoup de temps avec lui, on va commencer à réagir comme Dieu, à penser comme lui, à avoir les mêmes projets. Et nos projets, en fait, seront les projets que Dieu a. Ressembler à Jésus, c'est notre mission personnelle, mais c'est aussi une mission qui s'accomplit en communauté. Et puis là, on intervient tous. Vous voyez, on est tous en voyage. C'est un voyage qui est personnel, mais aussi qui se fait avec tous. On est tous ensemble en voyage, et on marche les uns ensemble à côté des autres. Et je ne sais pas si vous connaissez cette image du corps du Christ pour représenter l'Église. On peut lire ça dans Romains 12, au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous voyez, en tant que corps de Christ, on a une mission qui est commune. C'est comme une équipe de football. On a le goal, on a les buteurs, les défenseurs, etc. Et ils sont tous là, en fait, pour accomplir une mission. Ils sont dans l'unité, mais ils sont tous différents.
Ils ont chacun un rôle, on ne pourra pas demander à un défenseur de devenir buteur ou à un goal de devenir attaquant. C'est pas possible, ils ont tous leur rôle en fait dans l'équipe, mais pour que l'équipe puisse arriver au but. Et puis en fait, il a donné aussi à l'église des dons à chacun de nous, et tous ces dons sont indispensables pour l'église. On a besoin de chacun de nous pour que le corps de Christ, l'église, puisse marcher droit. On ne pourrait pas marcher droit si on a un bout de jambe qui flanche ou un cordon qui ne marche pas. Donc on a vraiment besoin des dons de chacun ici, et Dieu il a donné des dons à chacun de nous. Et puis, Moïse, en fait, il a compris aussi que la mission qu'il avait, il ne pouvait pas l'accomplir seul. On a un passage assez marrant qui se trouve dans l'Exode, où Moïse, en fait, il combat un peuple, les Amalécites, il combat ce peuple, et il se rend compte, en fait, que lorsqu'il a les mains en l'air, il a les mains vers le ciel, le peuple d'Israël gagne, et lorsqu'il lève ses mains, le peuple perd. Et c'est une image assez marrante, et je vous propose, pour illustrer, pour avoir cette image en tête, de prendre trois personnes. On va chercher Moïse, on va chercher aussi un ami à lui qui était Aaron et Our, et on va regarder ça ensemble. Je Marc, tu veux faire Moïse? C'est Moïse. Excellent. On a Aaron là-bas, pour Aaron, pour Aaron. On a encore une personne pour la top B, là. Personne super pour Our. Si on va lire dans l'Exode 17-12, il commence en disant « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Donc on a Moïse, est-ce que tu peux lever les mains? Tu peux gagner. Tu peux gagner. Ouais. Tu peux gagner. Donc ensuite on poursuit. « Et les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. » Alors si on peut avoir une pierre, on va aider un peu Moïse. Ah, une belle pierre. Il prit une pierre et qu'il passa sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors, allez-y, tenez les mains de Moïse. Je commence à fatiguer. Imaginez-vous un peu en pleine guerre, on a cette image-là, avec le peuple qui sont en train de se battre, et on a toute une équipe, c'est la communauté qui joue, en fait, on a Josué qui combat le peuple ici en bas, il est en train de se battre, et en partenariat, on a Moïse avec Aaron et Our en train de soutenir Moïse. Et Moïse qui avait pas vers le ciel, et parce qu'il a compris que c'était Dieu qui combattait pour lui, et ce n'était pas lui-même. Et ensuite, il s'est marqué dans les textes, il s'est resté là jusqu'au coucher du soleil. Dieu quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tu vois, en fait, quand tu fatigues spirituellement ou physiquement, on a besoin de s'entourer, on a besoin de soutien. Et Moïse, il l'a compris. Et si on a une église, des frères et sœurs, on a besoin de cette église, une communauté pour nous soutenir. Parce que le voyage n'est pas forcément facile tous les jours, on a besoin, on a tous besoin du bras de Aaron et du bras de Our pour nous soutenir. Et le voyage, on ne pourra pas le faire seul. On a besoin d'être unis pour le voyage, pour arriver au bout, pour arriver à destination. Et dans la bataille, ce qui est beau de voir, c'est que Moïse, il a les mains vers le ciel, il loue Dieu. Il loue Dieu, il sait que le combat, il aura grâce à Dieu. Les amis, on a vu que la mission que l'on a, elle est personnelle, elle s'accomplit en communauté. Mais aussi, on ne pourrait pas terminer sans dire que cette mission,
ça se fait avant tout en partenariat avec Dieu. Dieu, en fait, on n'est pas seul en fait dans le voyage. Et Moïse n'était pas seul, et on n'est pas seul non plus. Et on se rend compte que Moïse, en fait, il s'est jamais dépassé sans Dieu. Et on peut dire dans l'Exode 33, verset 15, il y a Moïse par Dieu, il lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. En fait, Moïse il avait compris qu'il était dépendant de Dieu. Il avait compris qu'il ne pourrait nulle part si Dieu n'était pas avec lui. Il avait compris, il savait en fait que si Dieu ne marchait pas devant lui, il ne pourrait jamais atteindre la mission qu'il avait, il ne pourrait jamais aller dans la terre promise. Et c'est un concept qui n'est pas super à la mode d'être dépendant. On aime bien trouver notre indépendance, être libre, faire ce qu'on veut. Mais la liberté que l'on a avec Dieu, elle marche en étant dépendant de Dieu. En étant en fait dépendant de lui, on devient vraiment libre. Et si on décide en fait de commencer à marcher par nos propres doigts, alors on ne pourra jamais aller au bout de la mission. On ne pourra jamais aller au bout de la mission que Dieu nous donne. On sera toujours poussé à retourner en Égypte, à regarder en arrière et retourner en Égypte. Donc ils sont en fait dans Nombre 20, où l'histoire se répète un petit peu. Le peuple, il a soif encore une fois. Il a soif, il commence à regretter en fait les temps d'avant, il commence à regretter l'Égypte. En fait, leurs parents, ils regrettaient l'Égypte, et eux, ils regrettent de ne pas être morts avec leurs parents. On pourrait se dire, mais ils sont fous, ils étaient. En plus, quand on lit dans la Bible, on se rend compte qu'ils étaient à deux doigts d'arriver à la terre promise. Ils étaient à quelques chapitres d'y arriver, et là, ils se découragent encore, ils ont soif. Et l'histoire se répète, ils ont soif, et ils regrettent de ne pas être morts avec leurs parents. On se rend compte aussi que c'est la réaction de Moïse. En fait, il perd patience, et Moïse, il commence d'abord par demander à Dieu ce qu'il peut faire. Et on regarde ça dans... on lit en fait dans Nombre 20 que Dieu, en fait, il demande à Moïse de parler à un rocher. La première fois, il avait demandé à Moïse de frapper un rocher, et maintenant, il demande à Moïse de parler à un rocher pour avoir cette eau qui coule. Donc, on voit en fait, dans Nombre 20, la réaction de Moïse. Il leur dit, et Moïse et Aaron, ils convoquèrent, ils l'attendaient en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous... Est-ce de ce rocher que nous pourrons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse, il leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, de l'assemblée du, ainsi que le bétail. On voit en fait que Moïse, il a désobéi à Dieu. Dieu lui avait parlé de ce rocher. Et Moïse, au lieu de ça, il a frappé de deux coups de bâton le rocher. Et en bonus, il a insulté le peuple, en insultant de rebelles. En fait, est-ce que Moïse il a agi par manque de foi, par colère? Est-ce qu'il pensait qu'il avait déjà fait avant, il avait frappé une poêle sur un rocher, il y avait de l'eau qui en était sortie? Est-ce qu'il se disait, ok, ben, je vais faire pareil, je connais la technique, il suffit de frapper sur le rocher, je recommence? Est-ce qu'il avait perdu cette connexion avec Dieu? Est-ce qu'il avait perdu le partenariat avec Dieu? En fait, on voit en fait que Dieu ne lui demandait pas de faire ça, il lui demandait juste d'être en partenariat avec lui, de faire confiance, de parler à ce rocher. C'était juste ça qu'il demandait. Et malgré tout, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré cette faute, on voit que le rocher, du rocher, il sort aussi de l'eau. On voit que Dieu, en fait, il décide quand même en fait, de bénir le peuple. Il faut se rappeler en fait, que Dieu nous accompagne dans tous les cas. Si on fait des fautes, si on tombe, Dieu est toujours là. Et il a béni ce peuple, même s'il avait fauté, même s'il s'était trompé. S'il voulait retourner en Égypte, il les a quand même bénis. Il a quand même envoyé cet homme pour eux. Et comme il a accompagné Moïse et son peuple lors de leur voyage, et Dieu il était toujours là. Et ce qui est intéressant, est-ce que
ce que Moïse, en fait, il savait à ce moment-là ce que ce rocher signifiait. Qui était ce rocher? On peut lire ça dans 1 Corinthiens 10, entre les versets 1 et 4. Créateur, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sur la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Donc le rocher qui était là, qui a donné de l'eau, c'était Jésus. Depuis le début, en fait, on voit que, vous savez, ce livre il se trouve dans Exode, il est au tout début du livre, de la Bible. Et on voit en fait que Jésus il était là dès le début. Il n'était même pas encore venu sur la terre pour mourir à notre place sur la croix, mais il était déjà là avec Moïse au tout début. En fait, à ce moment-là, Jésus il savait déjà qu'il allait il était en train de donner au peuple en fait, cette eau de grâce, cette eau de pardon, mais il savait déjà qu'il avait déjà un plan pour ce peuple. Il savait déjà que plus tard, il allait revenir sur la terre, il allait être crucifié sur une croix, et pour que ce peuple ne soit pas seulement libéré de l'Égypte, mais pour qu'il soit libéré du péché. Il avait déjà un plan, il était là dès le début, il accompagnait Moïse dès le début. On peut lire dans Jean 4, verset 4, 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mes amis, malgré la difficulté du voyage, de la mission, il y a une personne qui voyage avec nous en permanence. Et c'est le Christ. Il a toujours été là. Il est là dans les moments difficiles. Il nous accompagne, il nous porte et il sera toujours là. Il était là au début des Écritures et il est encore là maintenant aujourd'hui avec nous. Il est ce rocher sur lequel on s'appuie, il est ce rocher aussi sur lequel Moïse s'est assis. Il était là au début, il est encore là maintenant. Et on peut lire dans les Écritures que dans l'Ancien Testament, avant même que le Christ vienne sur la terre, il porte nos péchés sur la croix, on peut lire en fait que les gens ils louaient ce rocher. On peut lire dans Samuel, et par exemple, on peut lire l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, et l'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Dans les psaumes aussi, mais l'Éternel est ma retraite. Mon gros sujet aujourd'hui. Mon Dieu est mon rocher et mon refuge. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Éternel, c'est à toi que je prie, mon rocher, car tu es mon rocher et ma forteresse. L'Éternel est juste. Il est mon rocher. Et les amis, c'est sur ce rocher qu'on va bâtir cette église. Et on ira jusqu'au bout. Et le voyage, il n'est pas fini. On n'est pas encore arrivé au bout, mais on ira jusqu'au bout. Vous savez qu'il y a un petit verset dans 2 Timothée 4:7 qui est écrit: j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. C'est le même mot en fait que le Christ emploie, que Jésus emploie sur la croix. Il parle de ce même mot, ce même terme. Il lui dit: tout est accompli. Il est sur la croix, il a terminé la mission qu'il avait, de mourir pour chacun de nous. Il est sur la croix et il dit: alors tout est accompli. Amen. Après, il met ça à la tête et il rend l'esprit. Il a commencé, il est ressuscité, il nous a sauvés. Et Jésus lui-même, il avait une mission, et il a tenu, il est allé jusqu'au bout. Grâce à ça, on est pardonné. Donc, les amis, qu'on puisse dire à la fin du voyage, une fois qu'on aura fini notre voyage, qu'on puisse tous dire ensemble qu'on a terminé la course, on a accompli cette mission, et notre mission est accomplie. À ce moment-là, on se retrouvera avec Dieu pour l'éternité.
traverser le désert, et Seigneur, tu es avec nous encore maintenant. Seigneur, on te renvoie. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Et on veut vraiment te ressembler de plus en plus. Aide-nous Seigneur à te ressembler de plus en plus, que nos priorités soient les tiennes. Aide-nous Seigneur à penser, à agir comme toi Seigneur. Aide-nous Seigneur à être tes enfants Seigneur, à te ressembler de plus en plus Seigneur. Je te prie Seigneur, que tu te prives. Seigneur, nous te rendons gloire Seigneur, on te remercie Seigneur, merci pour ta fidélité Seigneur. Depuis toujours, tu avais prévu ce plan, tu avais prévu, Seigneur, de venir sur cette terre et de nous sauver. Alors, Seigneur, nous avons pu te remercier, à te rendre gloire. Nous te bénissons, nous te rendons, Seigneur, toute la gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter encore l'église? Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Tu viendras et tu agiras. Je vais simplement compter jusqu'à 3. Et je vais demander de lever ta main.
Well, fantastic. Hopefully that blessed you and spoke into you and instructed you. Oh, merveilleux. J'espère que ça t'a béni, ça t'a parlé. If you made a decision today, si tu as pris une décision aujourd'hui, why don't you click on the link there? We want to help you, want you to grow in that decision. Pourquoi ne pas cliquer sur le lien? On aimerait t'aider à grandir après cette décision. We want to believe for you this week. On veut croire pour toi aujourd'hui. We want to believe for God to move in and through you, wherever He's placed you. Que Dieu agisse en toi, partout où il t'a placé. And to see the goodness of God. Pour voir la bonté de in Dieu. And through your life. Dans ta vie et au travers de ta so vie. Father, bless your people this week. Père, bénis ton peuple. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Have a great week. Passez une très belle semaine. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Dis-moi.
me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Je veux te connaître.
connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.